Eu vou ler um pequeno trecho. Bom, je vais lire un petit extrait d'un texte très très court du moment qui suit l'assassinat du personnage principal, Adonias, qui assassine Ismaël, son cousin. Donc c'est un chapitre de réflexion sur la raison pour laquelle ces crimes sont commis. Donc je vais lire ce passage et Fabio ensuite va lire un passage plus long en français. Então, é o Adonias quem fala. Donc c'est Adonias qui parle. Mas não é apenas aqui na Galileia que esses crimes acontecem. Não é apenas na Galileia. Aonde as minhas pernas me levarem, tropeçando sobre pedras, afundando em areia, em qualquer metrópole ou vila, no deserto mais longe, eu sei que ocorrem massacres e carnificinas. Me vem de novo o filósofo romano. Porra, a cabeça não para. Não é apenas aqui na Galileia, nesse limitado espaço de terra, que as pessoas se odeiam. Em qualquer lugar do planeta, as pessoas se odeiam, mas nem sempre estão à altura do seu ódio. Nós, da família, nos elevamos acima da mediocridade que nos cerca e nosso ódio aflora em busca da tragédia. Por isso matei Ismael. Está mais do que claro e mais do que justificado. Matei-o em busca de um instante de poesia, para que ele não se perdesse em movimentos repetidos e desconexos. Salvei-o de tornar-se feio. Eu sei reproduzir a beleza sem me perder em gestos falsos, e Davi conhece as entranhas das músicas. Ismael alcançou um instante de grandeza que nunca mais se repetirá. É isso. Tudo é tão lógico, mas não consigo parar de chorar. Ismael, eu nunca vou esquecer a beleza do seu rosto espantado olhando para mim. Sua vida turbulenta justificou-se pela majestade do sacrifício, pela imobilidade com que aguardou o martírio debaixo da árvore. Você seria incapaz de repetir um instante absoluto por mais pedras que eu arremessasse. Gostaria de ler seus pensamentos, mas não posso acessar a memória de um morto. Ismael, melhor que eu tenha matado agora, antes de entrarmos numa ordem de ferocidade que se tornou monótona. Não sei o que virá em seguida à sua morte, mas reconheça que tive coragem de tomar a dianteira. Eu, o mais imbecil de todos nós. Alors bonjour tout le monde, moi je vais lire le texte donc en français, vou ler o mesmo texto em francês. Les légères brûlent la plante de mes pieds, mes baskets ne servent à rien, j'aurais dû chausser des bottes de cuir. Pourquoi suis-je venu à la Galilée? Je me répète la question à chaque pas, pourquoi suis-je venu? Pourquoi retournons-nous sur les lieux d'où l'on nous expulse comme des fausses couches? Que suis-je venu faire ici? Commettre un crime prémédité depuis des années par la famille. Être le caillon élu, celui qui jette la pierre à son frère. J'ai tué par jalousie. Un pas, par jalousie. Deux pas, par jalousie. Trois pas, par jalousie. Mais il n'y a pas qu'à la Galilée que surviennent des crimes. Il n'y a pas qu'à la Galilée. Il n'y a pas qu'à la Galilée. Il n'y a pas qu'à la Galilée. Où que me portent mes pas, titubant sur les légères, m'enfonçant dans le sable, quelle que soit la métropole, le village ou le désert, le plus lointain, je sais qu'il y existe des massacres et des carnages. Le philosophe romain reparaît. Ma pauvre tête. Il n'y a pas qu'à la Galilée que les gens se haïssent, sauf qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur de leur haine. Dans la famille, nous sommes au-dessus de la médiocrité qui nous entoure. Et notre haine jaillit à la rencontre de la tragédie. C'est pour cela que j'ai tué Ismaël. C'est plus qu'évident. C'est plus que justifié. Je l'ai tué pour un instant de poésie. Pour qu'il ne se perde pas
en gesticulations répétées et déraisonnables. Je l'ai sauvé de la laideur. Je sais reproduire la beauté sans me fourvoyer en gestes faux. Et David connaît les arcanes de la musique. Ismaël a atteint un instant de grandeur qui ne se reproduira jamais. C'est ça. Tout est logique. Mais je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Ismaël, je ne peux pas oublier la beauté de ton visage étonné, de ton regard sur moi. Ta vie tumultueuse est justifiée par la majesté du sacrifice, par l'immobilité avec laquelle tu as accepté le martyr sous ton arbre. Il te serait impossible de revivre cet instant d'absolu malgré toutes les pierres avec lesquelles je pourrais te massacrer. J'aimerais lire dans tes pensées, mais je ne peux plus accéder à ta mémoire effacée. Ismaël, il vaut mieux t'avoir tué maintenant avant que nous rentrions dans un processus de haine. Je ne sais pas ce qu'il adviendra après ta mort, mais reconnais que j'ai eu le courage de prendre les devants. Moi, le plus imbécile de tous. Pardonne-moi, mon cher cousin. Je pleure. Après avoir vécu dans d'autres sociétés, avoir reconnu leurs efforts pour s'éloigner des origines primitives, nous, ici, nous retournons à la barbarie et continuons à commettre les crimes de toujours. Pourquoi ? Réponds-moi. Je suis désorienté. Mon cœur s'est fermé, je ne ressens plus rien. Tu as dit que j'étais dur, que je croyais que tu... Que croyais-tu que puisse naître de toute cette aridité ? Était-ce pour que je te tue un jour où tu m'as porté jadis dans tes bras ? Ismaël, cesse de faire le mort, lève-toi. On va rigoler de tout ça, comme on a pleuré la nuit dernière. Je vais revenir là où je t'ai laissé. La blessure sur ton front n'est qu'une petite marque de plus. Lequel de nous deux a-t-il blessé l'autre ? Je n'ai pas le courage d'avouer ce que tu as deviné. Je ne le dirai même pas à ton cadavre. Ne le demande pas. Mais va te faire foutre, Ismaël. Tu as eu ce que tu voulais, ce que tu méritais. Je vais réunir les oncles et leur dire que tu es mort, que tu es tombé d'un arbre et que tu t'es fracassé le crâne. Si je veux qu'on me respecte, je dirai la vérité. Je t'ai tué et voilà. Tu as insulté ma mère et tu as avoué ta saloperie avec David. Le vrai coupable va enfin dormir en paix. Nous entrerons dans un ordre nouveau pour quelque temps, jusqu'à ce que l'un d'entre nous devienne fou à son tour. Tu es mort, grand-père aussi est mort, et rien de ce désordre ne fera plus partie de tes préoccupations. Remercie-moi de t'avoir épargné de nouveaux affronts, de t'avoir épargné une vie sous la menace. C'est horrible de vivre avec un couteau pointé sur la poitrine. Embrasse-moi, Ismaël. Toi qui ne repousses jamais personne, embrasse-moi comme ils ont embrassé ton frère David avant de le saigner comme un agneau de Pâques, un petit agneau tendre. Notre famille de cannibales assise autour de la table du banquet, rongeant avidement les petits os, mâchant les cartilages, suçant la moelle des tibias, des péronées, des fémurs, des cubitus. Si je n'arrête pas de penser, je vais devenir fou. Je dois aller voir David, exalter son innocence, lui faire brûler un cierge comme ils le font tous dans la famille. David, le petit prince, entrant ivre dans Jérusalem, dansant nu devant un cortège d'hommes. Je t'ai vengé, je te le jure, je t'ai vengé. Ce n'est pas à cause de l'insulte au nom sacré de ma mère que j'ai tué Ismaël. Je suis trop sensé pour me laisser entraîner par mes pulsions. J'ai tué pour la même raison qu'il existe des tremblements de terre. De temps en temps, il faut une secousse pour remettre de l'ordre dans nos instincts. Après, tout redevient comme avant. Pareil. Le paysage familier... La maison de grand-père au centre, les maisons de Nathan, Josaphat et Salomon autour.
et la sinistre Casa Grande de Lumbuzeiro qui sera sans doute ma sépulture. Eu vou ler o capítulo 2. Moi, je vais lire le chapitre 2. C'est le début du livre. Au moment où l'éclair frappe la maison. Todos se recolheram. A noite era grossa, o vento afrouxava as janelas. As telhas vibravam. Num mínimo gesto, a tempestade nasceria dentro da casa. Os pais dormiam em um quarto. Nico, Júlia e Antônio em outro, na mesma cama, aninhados em forma de embrião. Um gato esticou as pernas, as paredes se retesaram. A pressão do ar achatou os copos contra o colchão. A casa inteira se acendeu e apagou, uma lâmpada no meio do vale. O trovão soou comprido até alcançar o lado oposto da serra. Debaixo da construção, a terra, de carga negativa, recebeu raio positivo de uma nuvem vertical. As cargas invisíveis se encontraram na casa dos Malaquias. O coração do casal fazia sístole, momento em que a horta se fecha. Com a via contraída, a descarga não pôde atravessá-los e aterrasse. Na passagem do raio, pai e mãe inspiraram, o músculo cardíaco recebeu abalo sem escoamento. O clarão aqueceu o sangue em níveis solares e pôs-se a queimar toda a árvore circulatória. O incêndio interno que fez o coração, cavalo que corre por si, terminar a corrida em Donana e Adolfo. Nas crianças, nos três, o coração fazia diástole, a via expressa estava aberta. O vaso dilatado não perturbou o curso da eletricidade e o raio seguiu pelo funil da horta. Sem afetar o órgão, os três tiveram queimaduras ínfimas, imperceptíveis. Nico acordou e não saiu da posição. Tenso, esperou o dia. A chuva não impediu que a noite clareasse, o galo ficou mudo. No quarto dos pais, o sol entrou pelas telhas destruídas. O casal estava enrijecido sobre a cama, mas ninguém diria que uma faísca de fogo os havia cozido por dentro. Olá. O trecho que eu vou ler é um pouquinho mais longo. Moi, je vais lire un passage un petit peu plus long. Tous rentrèrent se coucher. La nuit était épaisse. Le vent soufflait contre les fenêtres. Les tuiles vibraient. Dans peu de temps, la tempête surgirait dans la maison. Les parents dormaient dans une chambre. Nico, Julia et Antonio dans une autre, recroquevillés dans le même lit. Un chat étendit ses pattes. Les murs se raidirent. La pression de l'air aplatit le corps contre le matelas. La maison entière s'alluma et s'éteignit, telle une lampe au milieu de la vallée. Le tonnerre gronda longuement jusqu'à atteindre l'autre côté de la montagne. Sous la maison, la charge négative de la terre reçut du ciel un coup de foudre positif. Ces charges invisibles se concentrèrent chez les Malaquies. Le cœur du couple était en phase systolique, moment durant lequel la horte se ferme. La voie étant obstruée, la décharge ne put les traverser pour atteindre le sol et être neutralisée. Au passage de la foudre, le père et la mère inspirèrent, le muscle cardiaque reçut le coup sans pouvoir l'évacuer. L'éclair échauffa le sang à des niveaux solaires et se mit à consumer tout le système circulatoire. Un incendie intérieur qui fit cesser le galop solitaire des cœurs de Donana et d'Adolfo. Le cœur des trois enfants était en phase diastolique. La voie était toute ouverte. Le vaisseau dilaté ne perturba pas la course de l'électricité et la foudre poursuivit son chemin à travers les valves de la horte. Les trois subirent quelques brûlures imperceptibles sans que leurs organes fussent atteints. Nico se réveilla tendu. Sans bouger, il attendit le jour. La pluie n'empêcha pas la nuit de s'éclaircir. Le coq resta muet. Dans la chambre des parents, le soleil entra par les tuiles détruites. Le couple était raide sur le lit. Mais nul n'aurait pu dire qu'une gerbe de feu les avait cuits de l'intérieur. Le matelas et le bord des tuiles étaient noircis. Nico s'approcha et remarqua le combat entre lumière et chair. Antonio
ouvrit les yeux en état de choc. Julia était consciente, mais elle ne bougeait pas. Elle n'ouvrit pas les yeux. Nico crut qu'elle était morte. Il prit Antonio par la main, ils traversèrent le salon, puis suivirent le chemin qui les mena au portail. Tous deux restèrent assis sous un arbuste. Antonio tapota le bras de Nico, la faim les tenaillait. Nico retourna dans la maison et ne trouva qu'une rapadoure qu'il mit dans sa poche mouillée. Il entendit du bruit dans la chambre, c'était Julia, effrayée. À peine était-elle descendue du lit que Nico l'attrapa, la prit dans ses bras, ses longues jambes battaient contre les genoux de Nico. Antonio mâcha la rapadoure, les deux autres se serrèrent l'un contre l'autre. Des vaches se levèrent au bout de la route. Derrière elles, un adolescent tenait une branche dans ses mains. De l'eau glacée coulait de son chapeau. La pluie s'arrêta. Les frères tremblaient de froid, les lèvres violettes, les pieds gelés. Nico ! Timóteo était l'employé de Geraldo Passos, le propriétaire de la ferme Rio Claro. Timóteo se dirigea vers la maison des Malaquias. Il y entra et en sortit en courant. Il ne dit rien. Mit les trois enfants sur le cheval sans harnais qui venait avec le troupeau de bœufs et poursuivit son chemin. Dès que Geraldo vit les trois enfants, les uns derrière les autres, il demanda à la vieille bonne d'aller chercher du café. Timóteo, demain tu emmèneras les petits à l'orphelinat de la sœur française, en ville. Le plus grand reste avec moi. Les trois dormirent en boule sur le tapis à côté du lit de Timóteo. Avant de quitter la chambre, Nico mit le reste de la rapadoule dans la poche de sa sœur. « Ne pleure pas, je viendrai vous chercher. » La petite s'essuya le visage avec le bord de sa robe et la rapadoule tomba par terre. Antonio la ramassa et la mit dans sa poche en grondant sa sœur. Timóteo emmena Antonio et Julia à cheval. 6 heures de voyage jusqu'à la petite ville. « D'où viennent-ils ? » dit sœur Marie. Monsieur Geraldo a gardé le garçon. Marie emmena les deux enfants dans une cour. Ils y resteraient le temps de préparer un lit dans l'une des chambres. Voilà. Et la traduction a été réalisée par Marta Rodriguez et Marilyn Marcelino, des étudiantes de la Sorbonne. Qui sont là, juste derrière. Meu pai estava sempre de partida. Então, quando partiu de vez, foi apenas mais uma. Porque antes de vir para cá, ele foi para o sul e depois para o interior. Ele dava nomes assim, vagos aos lugares e às vezes indicava datas. Foi só ao perceber que daquela vez ele não havia precisado nada que comecei minha aprendizagem da solidão. E também passei a ler sinais, tarefa que me uniu de imediato a Vicky. Claro que não era mais uma e eu deveria ter me dado conta, mesmo estando acostumada a seu ir e vir. Uma vez, viajei com ele para conhecer o mar. Foram vários dias, a poucas quadras de uma praia muito larga e ventosa. Era ali, sob uma carpa, que eu passava a maior parte do dia esperando. A aprendizagem era, então, da espera. Eu ficava enquanto ele ia e vinha. Voy y vuelvo, ele dizia. Naquela época, aquilo me parecia uma redundância. Me perguntava se eu queria água e ia buscar. Demorava 2 horas. Quando eu via sua silhueta aparecer na entrada da areia, sabia que haveria uma surpresa e que com a água viriam empanadas ou sanduíche de presunto e queijo ou qualquer outra coisa, o que poderia parecer uma recompensa, mas ao não dizer nada, tanto a demora como o desvio se tornavam algo natural, vinculados e necessários. Comíamos e comentávamos. Talvez ele dissesse que os sanduíches estavam secos ou fosse minha a queixa. Quando eu o vi aparecer, era como um milagre porque tudo era tão incerto. Quem sabe ele tivesse morrido, quem sabe um acidente, a prisão, um sequestro. Havia em meu pai algo de clandestino. Ainda que ele tivesse um trabalho regular e saísse todas as manhãs para cumpri-lo, ainda que sua vida paralela de tradutor não chegasse a torná-lo um excêntrico.
Havia algo nos seus amigos e nas reuniões noturnas sob nuvens de fumaça, na forma como falavam da situação do país com prognósticos soturnos. E baixavam a voz como conspiradores enquanto preparavam uma jogada de xadrez. Depois da praia, passávamos na churroteca e voltávamos para casa com um pacote morno embrulhado com barbante. Das noites não me lembro. Não me lembro também de quantos dias foram, quem sabe até uma semana. O suficiente para que a mulher da carpa ao lado já me conhecesse e me olhasse com condescendência quando ele saía para suas voltas. Lembro dessa mulher muito magra e com um monte de filhos que não me davam nenhuma bola. Só ela me olhava. Por sorte, meu pai e eu sempre pudemos contar com uma vizinha. Então, ele podia partir. E ele partia. E me deixava olhando o mar revolto e gelado que recusava os banhistas. E eu pensava que não era certo uma beleza tão egoísta e sonhava com mares mais dóceis, mares azuis e calmos, para que a praia fizesse mais sentido. Mon père a toujours été sur le départ. Alors, quand il est parti pour de bon, ça n'a été qu'une fois de plus. Il faut dire qu'avant de venir ici, il était allé dans le sud, puis à l'intérieur. Ainsi désignait-il de manière évasive les endroits où il se rendait. Quelquefois, il indiquait des dates. Sauf que cette fois, il n'avait rien précisé du tout. C'est seulement au moment où j'en ai pris conscience qu'a commencé mon apprentissage de la solitude. Je me suis mise à interpréter des signes, et c'est ce qui m'a aussitôt liée à Vicky. De toute évidence, il ne s'agissait pas d'une fois de plus, et j'aurais dû m'en rendre compte, même si j'étais habituée à ses allées et venues. Une fois, il m'a emmenée voir la mer, plusieurs jours à proximité d'une grande plage exposée au vent. C'est là, sous une tente, que je passais le plus clair de mes journées à l'attendre. Je faisais alors l'apprentissage de l'attente. Je restais sur place tandis qu'il partait et revenait. « Voi y vuelvo », disait-il. À l'époque, cela me semblait redondant. Il me demandait si je voulais de l'eau et partait en chercher. Il s'absentait 2 heures. Quand je voyais sa silhouette s'avancer sur le sable, je savais qu'en plus de l'eau, il rapporterait une surprise. Un sandwich, une empanada au jambon et au fromage ou encore une autre chose. On aurait pu croire à une récompense, mais comme il ne donnait aucune explication, son retard et ses détours devenaient naturels et même nécessaires. Les deux allaient de pair. Nous mangeons et donnions notre avis. Peut-être lui arrivait-il de dire que les sandwichs étaient rassis, ou peut-être était-ce moi qui m'en plaignais. Quand je le voyais apparaître, c'était comme un miracle au milieu de tant d'incertitudes. Il aurait pu être mort, accident, prison, enlèvement, qui sait. Il y avait chez mon père quelque chose de clandestin. Quoiqu'il ait un emploi régulier et qu'il s'y rende chaque matin, quoique son activité parallèle de traducteur n'ait pas fait de lui un excentrique, quelque chose dans ses amitiés et dans les réunions nocturnes sous des nuages de fumée, une façon d'évaluer la situation du pays par de sombres pronostics, de conspirer à voix basse en préparant une partie d'échecs. Après la plage, nous passions par le stand de friandises et rentrions à la maison avec un paquet de churros tout chaud. Des soirées, je ne garde aucun souvenir. Quant au nombre de jours, je ne m'en souviens pas davantage, une semaine peut-être. Suffisamment longtemps pour que la femme d'à côté sache qui j'étais et me regarde avec condescendance quand il sortait faire un tour. Je me souviens de cette femme très mince et toute sa ribambelle d'enfants qui m'ignorait. Il n'y avait qu'elle pour me prêter attention. Par bonheur, mon père et moi pouvions toujours compter sur une voisine. Du coup, il pouvait partir, et il partait me laissant contempler la mer froide et agitée qui dissuadait les baigneurs. Je pensais que ce n'était pas juste, une beauté si égoïste, et je rêvais de mers plus clémentes, des mers azur et calmes afin que la plage ait plus de sens. Il partait et revenait, et je demeurais là, immobile et sèche, les cheveux raidis par l'air marin. Un jour, il m'a apporté un cerf-volant en forme de chien. Une autre fois, il est arrivé les mains vides, et dans la foulée m'a entraîné dans l'eau, le temps d'une baignade brève et joyeuse. Nous sommes ressortis tous les deux frigorifiés, et c'est alors souvenu que nous n'avions pas de serviettes. Le reste n'est peut-être qu'imagination, car tout s'est effacé.
Y avait-il vraiment une pinède et des pins pour endiguer la progression du sable? Et la traduction a été faite par Catherine Charmant, élève aussi en troisième année à la Sorbonne. Et elle est traductrice, elle est là, aussi présente. Je vais te dire, je suis pas mal.